months more of online open qualifiers, we're finally down to our last match. Only two teams remain, and that means there's only one thing left to do. There's a trophy on that stage waiting to be claimed. One final challenge for the title of Major Champion. The green suits are out in full force, but the G2 Army marches against them. It all comes down to this, your main event of the Copenhagen Major. Who will have their one shining moment? It's Gentlemates and G2. It's your grand finals, Copenhagen. Bientôt 2 ans qu'on attendait ça. Enfin, un champion américain pour oser nous défier, Bachi. Les gentlemen qui vont avoir porte à faire, ne pas laisser G2 éliminer toutes les équipes européennes. On est parti pour la première game de cette grande finale du Major de Copenhague avec Juicy qui va récupérer le ballon pour l'instant au milieu de terrain. Premier flip reset pour aller défier son adversaire, Bismode. Récupération d'Itachi. Ouais, Itachi encore une fois qui arrive à faire la passe sur le backboard, la frappe de Seiko. Oh, on n'était pas très loin de l'ouverture du score. Itachi très agressif dès les premiers instants. Attention, on sait très bien qu'il est en train de nous réaliser un major exceptionnel. Il va falloir quand même être encore meilleur parce que du côté de Bismode, il y avait une super passe. Juicy, superbe pensée, aller démolir le dernier joueur. Allez, il va falloir prendre des challenges. On n'a pas beaucoup de ressources du côté de Juicy. Il faut qu'on s'en sort bien. Seiko derrière qui renvoie. Bismode en contrôle. On prend son temps du côté du joueur nord-américain. Le duel à venir avec Itachi qui la renvoie dans le corner des Gentlemates. Attention, Seiko qui s'est fait un peu bump. Juicy qui a beaucoup d'espace devant lui. Il va aller prendre un premier duel derrière Seiko qui va pouvoir la récupérer. On esquive le challenge, mais Bismode est là. Ouais, Seiko directement sur Itachi. Il y a Bismode qui vient bloquer Juicy maintenant. Pas mal de boost. Il y a Atomic tout de suite qui vient sauter dessus. Évidemment, Juicy il a fait une demi-finale phénoménale. Oui. On est là pour le bloquer du côté de G2. On a bien surveillé quels étaient les éléments forts. Mais il y en a un autre. Il s'appelle Itachi. Il va accélérer, mais c'est bloqué par Daniel. Ah, le bon contrôle de balle pour l'instant de Daniel. Le duel derrière. Juicy qui vient le prendre. Seiko qui est lui aussi à l'attaque. On esquive les challenges. On joue intelligemment du côté de Gentlemates. C'est complètement open, mais il n'y a personne. Itachi n'est pas là. Il s'est fait démolir. Juicy était en train de reculer. Juicy, est-ce qu'il peut y aller ici? Non, Itachi a eu le temps de réapparaître. Itachi encore une fois pour la mettre sur le backboard. La lecture est parfaite du côté de Daniel. Seiko qui va la récupérer. Attention, il s'est fait dévier devant lui par Bismode. Juicy qui prend son temps, qui laisse Itachi la renvoyer sur Seiko. Ah, c'est bien fait avec le 1-2-3. On laisse beaucoup d'espace. On défend super bas de la part de G2. Mais est-ce qu'ils ont seulement le choix de le faire? Parce que pour l'instant, Gentlemates est en totale domination. On arrive bientôt à 2 minutes jouées dans cette première manche. Et on va peut-être pouvoir respirer enfin avec Daniel. 50-50 prix. Seiko est là pour la décaler sur le côté. Bismode essaie de réaccélérer le jeu. Mais c'est tout de suite bloqué par Juicy. Avec Itachi, il y a une démolition. Est-ce qu'il arrive à temps, Daniel? Pas du tout. Itachi qui vient la glisser au premier poteau et qui vient donner l'ouverture du score aux Gentlemates Alpine dans cette première game. Très, très belle démolition de la part de Seiko. La passe de Juicy. On construit intelligemment pour l'instant du côté des Mutes. Le bloc équipe de Gentlemates est pour l'instant irréprochable dans cette première manche et il faut que ça continue ainsi avec Juicy juste après. Attention, il a récupéré un deuxième 50-50, ça va donner à Seiko l'occasion de passer aussi. Oh, c'était bien joué malheureusement sur le poteau et le troisième attaquant de Gentlemates, Itachi, a préféré rester au milieu du terrain. G2 avec un petit peu d'espace, bloqué par Juicy. Bismode très agressif dans son positionnement. Il y a Daniel également, mais il s'est complètement trouvé, l'ancien joueur de Space Station. Heureusement qu'on a réussi à se décaler tout de même, sinon c'était dangereux pour le 2-0 de Gentlemates. Ego sur le backboard, on essaye de trouver une passe, mais on est en place hein, pour l'instant du côté des G2. La transmission, Bismode pour Daniel. Le reset est récupéré du côté de Daniel, mais il va se faire éliminer par Itachi qui va remonter le terrain. Le flip reset du capitaine. La récupération, c'est Bismode qui s'en charge. Seiko de l'autre côté. Petit contrôle de balle de la part de Seiko. Le duel à venir contre Daniel, il l'élimine derrière. C'est Atomic qui va la décaler dans l'autre côté. Mais on souffre déjà dans la défense des G2. Juicy qui ne pourra pas faire grand-chose. Bismode qui arrive à s'en sortir. Seiko pour la bloquer. Atomic dans le backboard. Itachi, très bonne touche de balle. Attention à Daniel de l'autre côté qui va manquer sa lecture. Ouais, Atomic qui a démoli en plus. Ça va laisser à Bismode pas mal de solutions. Mais il remet ça directement sur le backboard. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à jouer? En tout cas, Seiko qui en profite malgré son manque de boost. Juicy maintenant et Itachi, attention au double commit. On va quand même pouvoir repartir avec un petit peu d'espace. Juicy notamment, il a le boost nécessaire pour retoucher encore une fois ce ballon.
Bismuth contraint de la décaler sur le côté. En attendant, le chrono file bientôt plus qu'une minute trente dans cette première manche. Et Gentlemate, c'est pas loin d'aller chercher une première balle de... Une première balle, bien sûr, un premier point. Ça a été très bien défendu, ça, par Gitu, et Bismuth va pouvoir repartir. Mais on sent que pour l'instant, les Gitu ont beaucoup de mal à attaquer. La petite transmission avec Itachi, c'est cut par Daniel. Attention, il va essayer de poursuivre son effort. Le duel face à Seiko, le bum qui est cherché face à Juicy, mais on l'esquive du côté du jeune joueur des M8. Récupération de Bismuth. Itachi a sauté pour aller prendre le duel, même s'il n'est pas remporté. C'est les M8 qui ont la possession de balle. Attention à Bismuth qui continue de faire s'effacer. S'il a pour l'instant dans la défense bleue, c'est Itachi qui dégage. Daniel le contrôle, non, c'est une passe. On cherche Bismuth. La tentative de remise pour Atomic, mais ça va, il y avait Seiko. Ouais, Seiko était là. Bismuth qui est là pour gêner encore une fois, une minute restante maintenant. Itachi va pouvoir repartir avec la possession du ballon. Flip reset, ça sera bloqué. Seiko, un petit peu d'espace. Il y avait Bismuth pour mettre en danger, mais on a été plus rapide. Et maintenant, Juicy qui se présente. 1v2, on essaie de passer. Le premier joueur, c'était dans la lucarne, mais évidemment, pour un deuxième rideau défensif, c'est beaucoup trop simple à ce niveau de jeu-là. Daniel, attention à cette touche qui pourrait permettre au Jitu dans les derniers instants d'avoir une phase de pression magique. Juicy qui va prendre son challenge intelligent encore une fois. Juicy comme ce qu'il nous propose depuis le début de cette journée. Atomic qui va essayer de pousser. Juicy, encore lui à la défense. Il a un petit peu d'espace, pas énormément de ressources, mais il va quand même aller défier Bismuth. Le duel est largement maîtrisé par Bismuth. 21 secondes, les Jitu qui courent toujours après le score. Bismuth qui tente la passe, mais on n'y a pas cru du côté de Daniel. Daniel plus de boost. Il essaye d'enchaîner les challenges. Ça va revenir dangereusement. Bismuth qui veut la laisser. Il n'y avait personne pour suivre cette action. Juicy, le reset pour prendre le duel. Itachi juste derrière, attention. Seiko s'est fait surprendre. Bismuth qui essaye de lancer Atomic, le contre. Itachi qui arrive à la barrer. Ça reste très très chaud. Attention, Daniel derrière avec le flicker. Seiko quand même pour le récupérer. Atomic, il a son boost, il le sait. Il va partir avec un petit peu de patience. Flip reset probablement, non. Il y a Itachi, alors on vient le bloquer. Oh, il a bloqué Daniel. Et derrière sur la ligne. On tient du côté de Seiko. C'est pas terminé, Bismuth, mais il est bump. Attention à la récupération de l'autre côté. Ils veulent essayer de maintenir cette balle en vie. Ils vont pas y arriver. Si, ils vont y arriver. Arrivé avec Daniel qui peut repartir. Une première touche de balle, un flip reset. Il est challenge par Itachi, ça va toucher le sol. Non, Atomic est toujours là pour la sauver. Bismuth lui aussi à son tour. Atomic qui la maintient en vie. Daniel derrière Itachi pour essayer de la claquer au sol, mais on n'y arrive bien, pas. C'est fait. 1-0 pour Gentlemates dans une première manche ô combien serrée qui s'est affolée dans la dernière seconde. Complètement affolée, mais Gentlemates a réussi à tenir. Oh, on n'est pas passé loin, mais ça fait bien 1-0 pour Itachi et son équipe. Mais on a senti les Jitu qui ont du mal, vraiment, à dominer sur le terrain. Par contre, dans les 30 dernières secondes, quand il fallait vraiment réagir, ils ont réussi à le faire. Méfions-nous, parce que pour l'instant, Jitu, dans ce quart de finale, puis dans cette demi-finale, les deux premières games, c'est pas leur délire. Ils ont tendance à passer un petit peu à côté et à devenir imbattable juste derrière. Donc, c'est très bien pour l'instant ce que font les M8, mais voilà, on a vu quand même des Jitu avec des armes. Ils ont du mal à s'exprimer totalement, mais on sent ce qui pourrait déclencher des choses de leur côté. Le potentiel de toute manière est bien là, on l'a vu au fur et à mesure, quart de finale, demi-finale, on sait, individuellement c'est des joueurs très bons. Là, Atomic, s'il ne bump pas Daniel, Daniel met une vraie frappe dedans et on sait à quel point ça peut tout changer. C'est qu'au sur le fil, juste avant de se faire bump, ça se joue à quelques millisecondes, Bashi. Ouais, à quelques millisecondes, c'est sûr, mais ils s'en sortent. Ils le font pour l'instant, les Gentlemates qui vont prendre ce premier point. On va voir comment ça va se passer par la suite. Est-ce que les Jitu vont réussir à trouver les armes pour remonter dès cette deuxième game, ou est-ce que encore une fois ils vont laisser filer les deux premières manches de ce BO7? En tout cas, on les a sentis vraiment très bas, les Jitu, dominés sur la fin bien sûr, mais 30 dernières secondes honnêtement sur une game de 5 minutes, c'est pas assez. Alors que Jitu, on les sentait à vouloir un petit peu plus dominer normalement. Est-ce qu'ils ont le choix de toute manière face à un Itachi et un Juicy ô combien agressif, un petit peu similaire à ce qu'on a pu voir contre Falcons, notamment dans la ronde suisse. Et là, dans ce début, c'est justement Juicy qui fait les siennes. Situation de 1 contre 1. Intéressant, de 50-50, mais c'est Atomic le premier dessus derrière. Ah, il va lancer Bismuth. Bismuth qui arrive à gagner un challenge. Itachi en défense. Attention, c'est pas terminé. Atomic a toujours la possession de balle. Il essaye de contrôler. On le bloque du côté de Juicy, je crois. Daniel derrière, le duel à venir. Bismuth dans le corner. Bismuth, il ne pourra pas la reprendre. C'est dégagé, loin par Seiko qui la renvoie dans le camp des Jitu. Attention à ce challenge qui pourrait être dangereux pour les Jitu. Daniel dans les airs qui prend son temps. Peut-être un petit peu trop. Heureusement qu'il trouve le bump sur Itachi. Ouais, belle adaptation de la part de Daniel, mais il s'est détroué sur sa mécanique. Attention parce que c'est pas la première fois qu'on le voit un petit peu approximatif. Il y a eu un nouveau raté. Situation de 50-50, Seiko pourra derrière aller chercher Juicy. Seiko complètement open. Jitu, encore une fois avec une approximation, mais parfaitement puni par Gentleman. J'aime beaucoup cette image. Voilà, regardez. Une cage complètement vide, Itachi, Seiko, Juicy devant, ça me régale. Je dois l'avouer, pour l'instant ça me régale, les mutes qui font le travail et qui viennent punir des erreurs de Jitu là sur cette phase de jeu.
Une minute, 1-0 pour l'instant pour les Gentlemates. Allez, Itachi qui va partir dans les airs, le fait Prizet, il est instantanément challenge par Bismode. Seiko qui prend son temps, qui va finalement aller dribbler deux joueurs grâce à son air dribble. Récupération, le wall rate de Daniel, c'est pas cadré mais ça pourrait être dangereux. Atomic de l'autre côté qui veut chercher une interception, il est soutenu par Bismode. En plus, on essaye de grappiller, de mettre petit à petit dans le camp des Gentlemates, mais pour l'instant on ne trouve pas le cadre. Le travail défensif de Seiko est à noter après la manche précédente, c'est maintenant qu'il s'illustre encore. Oh, ça a feinté Bismode, attention, situation de double tap, très bien trouvé, mais Daniel c'est là-bas. Malheureusement, qui va le stopper de l'égalisation. Bismode repart, on essaye de jouer rapidement sur un coéquipier, mais il n'y a personne. Bismode, il a encore du boost, il a encore la possession. Oh, le tapage aussi, mais derrière, quoi, c'est complètement open pour Atomic qui va l'envoyer au fond des filets. On va revoir ce qui s'est passé. Bismode qui élimine Seiko, Juicy qui trouve le bump et ça décale la balle sur la transversale, mais derrière, trop d'espace pour Atomic. Et sincèrement, ce ballon méritait d'être prêt. Ouais. C'est déjà un miracle que Juicy réussit à bump Bismode sur le ballon pour l'emmener au-delà du cadre. Il fallait qu'Atomic derrière termine le travail, mais on a senti qu'on s'est fait surprendre. Oh, attention, Seiko, ça c'est une erreur de lecture tout simplement qui permet derrière à G2 de repasser devant. Et on n'en voit pas souvent des comme ça. Et on n'en voit pas souvent effectivement. Seiko qui sort d'un match absolument incroyable en défense contre la Carmen Corp, évidemment, vous l'avez suivi. Allez, on est parti avec le kick-off. Juicy qui a pu la récupérer. Le back left, je crois, des DM8 qui fonctionne bien. Derrière Daniel qui va essayer de pousser. C'est récupéré par Itachi qui a encore le contrôle du ballon qui a un peu de ressources. Oh, un double tap. Itachi, ça n'est pas cadré. Où elle a été défendue. En tout cas, on s'approche dangereusement de la cage de G2. Il y a Daniel qui vient pour dégager. On laisse beaucoup d'espace là de la part de Mate. On récupère les ressources. C'est pour mieux bloquer le ballon maintenant. Mais attention parce que le milieu terrain, il a été envahi par les joueurs de G2 avec Bismode notamment. Patient, mais qui se fait quand même avoir. Il y aura Daniel. Deuxième rideau au milieu de terrain pour aller la récupérer. Atomic maintenant, beaucoup d'espace laissé par Mate. Désormais, on va en profiter. Belle patience pour pouvoir dégager ce ballon très loin dans le camp orange avec Bismode pour repartir. Malheureusement, un petit peu imprécis d'ailleurs. Ça va permettre à Itachi de reprendre la possession. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Le 50-50 n'est pas à son avantage. Seiko ne peut pas jouer avec le rebond. Et attention, on repart dans le camp français. Seiko qui veut y rester patient, esquiver les démolitions. Il fait encore un très bon travail. Le pinch avec Juicy Itachi. Je crois que c'était Itachi. La récupération, c'est Itachi qui devrait s'en charger de l'autre côté. Mais quel challenge de la part d'Atomic. Juicy qui va essayer de pousser. Bismode, le clear. Seiko, Itachi, c'est Itachi. Le premier à la récupérer. Il va essayer de la contrôler. Deux fois la petite passe. On cherche Seiko pour la frappe. C'est arrêté par Daniel. Et encore une fois, Itachi qui avait return derrière pour essayer d'aller chercher la redirect. Il est extrêmement agressif, le joueur marocain. Et il est pas loin à chaque fois d'aller la chercher, cette petite. Oh, ce petit exploit. Il y avait Seiko, mais c'était sur le poteau, bien sûr. C'est sur le backboard. Avec Juicy à la réception. Face à Daniel, ça passe. Face à Atomic, désormais, ça sera un petit peu plus compliqué. Et le vétéran de G2 va essayer maintenant de passer. Avec l'aide de Bismode notamment, on part sur le corner bleu. Juicy. Pour Itachi, on reverse redirect ce ballon directement dans l'axe, mais Atomic est largement premier. Ah, on va récupérer cette balle, on est un petit peu en avance, voilà, du côté des M8. Attention à ce challenge de Bismode, Itachi qui est à la retombée. Itachi qui essaye de tirer directement, c'est arrêté par Daniel. On n'arrivera pas à démolir le jeune joueur de G2, mais c'est quand même revenu dans le camp orange. Pour l'instant, Itachi la passe, c'est pour Juicy, la frappe derrière. C'est dans son gros poteau que Juicy égalise. Mais qu'est-ce que c'est que cet angle trouvé par l'ancien joueur de Moist. Personne ne s'y attend. Bismode est pris en contre-pied. Atomic tente de réagir, mais c'est trop tard. Le ballon file tout droit. Et l'égalisation du Gentleman s'est fait du bien à 1 minute 17 de la fin de cette deuxième manche. Allez, ce ballon, ce kick-off, un petit peu particulier avec cette balle qui remonte. Personne qui n'en profite vraiment. Finalement, Daniel qui a réussi à y aller, qui enchaîne les bons challenges. Atomic en avance sur ses vis-à-vis. Il va pousser dans le corner, mais Juicy l'attendait. Il va pouvoir dégager tout aussi rapidement que c'était arrivé. Bismode pour faire une passe. C'est cool, après jump, c'est magnifique. Juicy qui est juste derrière en plus pour essayer de combiner. La double tap. Peut-être c'est bloqué par Atomic. Itachi derrière qui arrive à prendre le challenge aussi. Il prend son temps, il laisse Seiko intervenir. Bismode, le dégagement il est très bon. Et là il n'y a plus grand monde en défense, il va falloir se méfier. Daniel qui a un free preset mais qui ne pourra pas continuer. Ouais, Juicy en plus qui a esquivé la démolition et qui derrière va nous sortir une save et la double tap pour ramener ce ballon directement du côté opposé tout seul. Juicy va même intercepter en plus ce ballon derrière. À lui tout seul, il a créé une phase de pression pour les Gentlemates. Hein. Attention quand même parce que Daniel a réussi à repartir. Oh, Daniel, le gagnant du Salt Mine 1v1, l'un des meilleurs joueurs du monde, vient de chuter face à Itachi. Ah, bien joué, Itachi qui n'hésite pas évidemment à aller challenger ses adversaires. Atomic
De l'autre côté, Atomic qui va pousser un petit peu. C'est Ko qui doit être vigilant sur ce challenge. Il a été bien pris par le NA, mais il n'y a personne pour suivre le joueur de G2. Daniel qui ne pourra pas y aller intercepter cette balle. Bismuth par contre, lui qui arrive à remonter le terrain petit à petit. Jussi, attention, il y a du monde qui l'attend. Il est patient, mais il va se faire démolir. Daniel qui doit pas être très loin. La balle qui file vers les cages, elle n'est pas cadrée pour l'instant. Le petit raté de Seiko et ça va. La balle qui touche le sol, on part en overtime. Est-ce qu'il a fait exprès de passer à côté, Seiko? On ne saura que en regardant les images. Mais en tout cas, effectivement, prolongation avec l'opportunité pour les Gentle Mace de faire le break dans cette grande finale déjà ici au Major de Copenhague. Attention à Itachi, ouais, on n'a pas été surpris face à Bismuth. Il y a Daniel avec pas mal d'espace, mais la première touche est compliquée. On a un setup extrêmement lent qui va permettre à Seiko de le bloquer. Attention parce que Juice est plus rapide que son adversaire. Bismuth pour repartir maintenant avec un setup flip reset. Mode qui s'est fait contrer, c'est Itachi qui est venu intercepter au milieu du terrain. La bataille du boost a été perdue et en plus le challenge est remporté par Daniel juste derrière. Seiko qui sort bien de son backboard. Bismuth qui va aller récupérer cette passe en retrait. Non, c'est Atomic qui va gérer lui-même son ballon. Il arrive à éliminer un autre joueur, mais pas Juicy juste derrière la position qu'on ne suffira pas. Seiko dans le corner. Seiko encore une fois, on essaye de créer un petit espace, mais on est en place côté G2. Ouais, ça paraît compliqué. Hein. Itachi qui vient bloquer. Atomic est là très proche, évidemment, en B2. Superbe démolition. Attention, 50-50 tout de même. Mais on va être solide du côté de Seiko. Contre-attaque maintenant avec Juicy. Il part tout seul. Il y a une démolition. Ça ne suffira pas sur le 50-50 face à Atomic. Bismuth bloqué par Itachi. On garde le ballon dans le camp orange avec Juicy notamment. Et cette frappe, Itachi. Il était bien placé, mais c'est bloqué. C'est pas terminé avec Seiko. En premier reset. Le ball qui ne touche pas le ceiling. C'est compliqué pour lui de faire beaucoup mieux. Juicy derrière qui va pouvoir poursuivre. Mais le ballon s'échappe très très loin de son véhicule et arrive quand même à bloquer Daniel. Itachi à la retombée de ce ballon, il est mis sous pression par Atomic. On essaye de pousser dans le corner, mais Atomic il a tout vu. Seiko derrière qui va pouvoir reprendre. Bismuth au challenge, c'est remporté par Seiko. Daniel qui prend son temps, qui va aller défier le vis-à-vis. Bismuth peut-être pour lui refaire la passe, mais Itachi qui punit. On est en place du côté des G2, mais on souffre. Ouais, encore une fois, c'est complètement Gentleman qui domine. Avec Juicy notamment, encore une fois. Juicy il veut son 1v3, c'est pas le premier qu'il tente. Et il est pas si loin à chaque fois de faire passer ce ballon dans l'angle interdit. Juicy, c'est maintenant. C'est maintenant. Il le fait, Juicy. Tu l'as dit, il l'a cherché cette opportunité. Et maintenant qu'elle est devant lui, il la transforme. Juicy pour aller donner le break aux Gentlemates. 2-0 dans cette grande finale. Juicy que l'on voit se redresser fièrement, sourire. Et comment ne pas sourire quand on est aussi bon que Juicy pour l'instant? Premier Championship Sunday en LAN de sa carrière. Est-ce qu'il a l'air d'être inexpérimenté? Est-ce qu'il a l'air de faire sa première scène devant autant de gens? Absolument pas, absolument pas. Il est en train de nous réaliser une prestation XXL à hauteur de son potentiel. C'est magnifique, effectivement, ce que font les Gentlemates. Mais je vais répéter mon avertissement puisque les G2 ont concédé leurs deux premières games dans tous les matchs qu'ils ont fait dans ces playoffs. C'est vrai, c'est vrai. On est obligé de respecter cette équipe de G2 qui a l'air d'avoir besoin d'un time-out pour jouer correctement. Mais on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, on l'a dit pendant le pré-show, les G2, ça s'adapte très très bien. Exactement. C'est très il faut être très vigilant parce que ça risque de changer le style de jeu de G2. Ouais. Et côté M8, il ne va pas falloir être surpris. On l'a vu, on sait qu'ils sont capables de le faire et ils vont très certainement le faire. Exactement, ils l'ont montré. Hein. Ils l'ont montré contre BDS, ils l'ont montré contre Vitality. Ce fait de passer de extrêmement agressif à laisser beaucoup d'espace et à jouer sur les contres, même si là pour l'instant... Contre l'agressivité de M8. Exactement, exactement. Là c'est vrai qu'on a vu un G2 qui a du mal de toute manière, je pense, à établir son jeu et à dominer face à Gentlemates. Visiblement le milieu de terrain est trop bien gardé. On a un Itachi qui est on fire sur les 50-50. Seiko a refusé de perdre un duel. Voilà, Seiko, si c'est pas sur la ligne qui vient bloquer la balle, c'est un petit peu plus haut. Et Juicy est toujours là pour faire son travail habituel. Aller très haut sur le terrain, choper les boosts, bum, démolir et surtout bloquer la relance adverse. Il y avait besoin d'un time-out, il y a besoin de changer pour G2. Effectivement, petit clin d'œil avec ce magnifique maillot de G2 et son logo qui ressort en métal. C'est stylé en vrai, hein, sincèrement. C'est très joli. Et le petit time-out qui a été pris, on le sait, ils sont dangereux avec leur time-out. Depuis qu'ils ont pris un time-out contre BDS, les BDS n'ont plus gagné une seule game. Ensuite, contre les Vitality, ils nous ont emmenés dans une game 7, les Vitality quand même, mais ils ont fini par la perdre. G2, ça comprend le jeu, ça sait s'adapter, ça sait utiliser les capacités extraordinaires de leurs trois joueurs. Il va falloir être très vigilant du côté des Gentlemates, parce que les géants nord-américains, ils en ont déjà terrassé la moitié des équipes européennes présentes.
Il se dégênerait pas pour le faire pour une troisième. On est bien d'accord et on est reparti après le temps mort proposé par G2U. Il va falloir réussir dès les premiers instants peut-être de leur remettre la tête sous l'eau, parce que s'il y a bien quelque chose que ce temps mort a fait en plus de pouvoir permettre à G2U de s'adapter, c'est de bloquer le momentum de Mate. Allez, Bismode qui va faire la petite passe en retrait. On cherche Atomic. Atomic, ouais, qui va pouvoir prendre un duel, essayer de repartir. Mais là, c'est Itachi qui vient tirer. C'est arrêté par Bismode. Le rebond très difficile pour Seiko. Il va avoir besoin de Juicy. Mais il est là, Juicy, pour venir seconder son teammate. Le contrôle de balle est excellent, mais Daniel était vigilant. Attention. Qui arrive à l'éliminer. Daniel qui va tenter de faire le petit crochet. On ne se jette pas du côté d'Itachi. On vient bloquer derrière la frappe d'Atomic. Bismode, encore une fois. Il prend son temps, Bismode. Il est mis sous pression par Seiko. Seiko qui arrive à passer. Oh, c'est sur le poteau. L'angle était interdit et il portera bien son nom jusqu'à la fin de cette action. Avec Itachi pour repartir. Malheureusement, le contrôle n'est pas exceptionnel. Bismode va pouvoir dégager. Il y a Daniel très haut sur le terrain, mais il va être tranquillement en outspeed par Juicy qui repart. On utilise beaucoup de boost. Itachi qui est là pour lancer Seiko. C'est bien fait. On n'est pas dans l'axe du but. Reset obligé pour pouvoir se remettre, mais c'est bien bloqué par Bismode. Et Itachi qui fonce dans le corner pour aller prendre le duel. Mais vous l'avez vu, il est à l'avantage de Daniel. Le plus précis de Daniel pour faire la passe sur le backboard. Seiko, très belle lecture. Juicy qui va la laisser filer. On n'est pas sous pression. On n'est pas sous danger pour l'instant du côté DMU8. Attention par contre à cette frappe d'Atomic qui est sur la transversale. Itachi, un premier duel, ça va revenir très vite dans l'axe. C'est Juicy qui peut la prendre et la dégager. En tout cas, on voit un G2 dès les premières minutes 30 de cette rencontre. Beaucoup plus agressif que précédemment. Ça propose plus, mais attention, parce qu'il y a encore, de l'espace proposé par Gentlemate. Bismode pour jouer sur Atomic. On va profiter du rebond pour rejouer de la part de l'ancien joueur de Version 1 avec Daniel derrière. C'est directement sur le backboard, mais il y avait Seiko qui était directement placé. Atomic essaie de la décaler sur le côté. Il y a Itachi. Ah, Itachi il est là, il prend son temps, il va aller défier Bismode. Bismode, est-ce qu'il peut la retoucher? La réponse est non. Itachi était en dessous pour venir récupérer le ballon, faire la passe à Juicy. Atomic qui a plus la cut. Seiko derrière qui va faire une passe en retrait, sauf que ça ne les met pas bien. Par contre sur le duel, il sera impérial. Bismode qui va pouvoir la récupérer. Il n'a pas assez de boost pour chercher plus qu'une démolition. Et la frappe de Daniel n'était pas cadrée. Est-ce qu'il a tenté la double tap là-dessus? En tout cas, il était très proche de retoucher cette balle derrière. Mais cette fois-ci, sur la deuxième opportunité, Daniel ne s'en fera pas prier. C'est directement dedans. Ah, Tommy qui fait le bon travail. Il vient feinter. Et Daniel qui sera là dans le timing parfait. Le timing très serré pour aller ouvrir le score du côté des G2 Stride. Allez, le kick-off. Itachi contre Bismode. C'est un petit peu plus à l'avantage des G2. Surtout si Atomic arrive à toucher cette balle, est-ce qu'elle est cadrée? La réponse est non. Juicy pour Itachi. Il va y aller tout seul. Finalement, Juicy, non, il arrive à transmettre la balle. On élimine Daniel, mais Bismode qui va se faire contrer. C'est derrière dégagé. On va avoir un petit peu d'espace, un petit peu de temps pour Juicy. Même si le ballon est complexe, on élimine un premier joueur grâce à sa touche très intelligente. Itachi en plus pour prolonger derrière. On va essayer d'en profiter avec le 50-50, mais c'est bloqué par Daniel. Et Seiko peut tranquillement se replacer, permettre à ses coéquipiers de repartir et feinter pour cette frappe qui sera tranquillement arrêtée, mais qui oblige les joueurs de G2 à se jeter. Et on transmet instantanément. Itachi qui vient trouver Juicy. Juicy qui feinte le reset pour essayer d'accélérer son ballon. Bismode derrière qui essaye de dégager. Le duel est magnifique face à Itachi, mais Seiko sera là pour accompagner son capitaine. Seiko encore une fois pour essayer de faire la passe. Juicy qui n'est pas très loin d'aller récupérer ce ballon. On va tenter le duel du côté de Juicy et c'est réussi. Seiko qui va essayer de la reprendre. Il en perdra. Ça en véhicule. Daniel, la double tap. Itachi qui avait tout vu. Il faut les bloquer, il faut le bloquer, ce backboard, il faut interdire l'accès parce qu'il est tellement dangereux face à une équipe de G2. Oh, c'est sur le fil. Itachi, toujours aussi solide en 1v1, toujours aussi solide dans ses challenges, et c'est Koder qui va pouvoir dégager et marquer. Et marqué parce que Seiko il est à l'autre bout du terrain, il envoie une frappe à 140 km/h. C'est quoi ça? Le rebond, personne ne l'aura. L'équerre en 30, hein, clairement, pour aller égaliser. Et on est surpris côté G2. Eux pourtant qui avaient adapté un peu la stratégie inverse, hein, contre les autres équipes européennes, d'être très défensif et d'essayer justement de contre-attaquer. Là, c'est eux qui se la mangent, la contre-attaque des Gentlemates. Allez Daniel, sur ce ballon, il va en perdre son véhicule. Mais il a bel et bien gagné son duel. Seiko passe au-dessus, lui aussi démoli. Atomic pour la reprendre. Bismode qui va tenter de faire quelque chose, il ne pourra pas face à Itachi qui était largement devant. Juicy qui peut la récupérer, le contrôle de balle est sublime. Juicy qui essaye de feinter tout le monde, mais Daniel n'est pas naïf. Ouais, il y a quand même Seiko pour continuer à mettre de la pression. Double commit de la part de G2, attention à ses imprécisions, ça pourrait laisser de l'espace avec Juicy notamment. Il va prendre le 50-50, c'est neutre, plutôt à l'avantage du joueur de G2 après l'interaction. Daniel maintenant, c'est bloqué encore une fois. Gentlemate qui en profite, qui met de la pression et qui essaie de profiter des derniers instants pour essayer d'aller chercher cette quadruple balle de match.
Kobayashi qui a la lecture. Daniel, oh, qui ne va pas pouvoir faire plus. Atomic, non, c'était Bismuth, pardon, qui essaye de refaire la passe, mais derrière c'est dégagé par Itachi, Juicy en relais. Ouais, personne ne va pouvoir y aller hein, sur ce ballon. On était largement en retard face à Atomic. Bismuth, une touche, pas de deuxième, c'est une feinte. Itachi derrière qui peut la reprendre. Daniel au duel face à Seiko, ça file tout droit, mais Itachi peut dégager. Pas mal d'espace pour Bismuth désormais, attention. On venait très vite de la part du premier joueur de Gentlemate avec une nouvelle opportunité. Le ballon peut être intéressant. Bismuth n'est pas bien placé. On respecte Itachi. Il y a Juicy derrière pour essayer de passer. Juicy, non, oh, il ne peut pas terminer. Il y a Seiko derrière pour mettre ça sur pas le backboard. Fini, Itachi est trop loin. On va essayer de feinter. Le Marocain met ça sur le backboard une nouvelle fois. Il y aura Daniel pour dégager. Est-ce qu'on joue la prolongation? Non, on va essayer de jouer le ballon directement. Bismuth dans 1v1. Le flic n'est pas bon. Juicy est là pour défendre. Est-ce qu'on va laisser tomber cette balle? La réponse est oui. Le challenge ne laissait le choix à aucune des deux équipes. De toute façon, allez les Muits qui sont à un but d'aller chercher 4 balles de Major à Copenhague. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ou est-ce que les G2 vont réussir à remonter, réduire un petit peu l'écart? Juicy, le dégagement, Bismuth qui l'a décalé, un petit bump sur Atomic, mais Itachi n'a pas la ressource pour aller chercher ce ballon. Daniel, Atomic, on est dans le corner, il n'y aura pas de corner raid. Hein. Juicy est trop bien placé pour venir défendre. Mais là, Bismuth qui va essayer de le bloquer. Le duel bien est joué. Incroyable de la part de Juicy. Et Daniel bien joué. Est obligé de se jeter. Bismuth qui va essayer de dégager, mais Itachi arrive. Juicy enchaîne tous les 50-50 du monde. Il met tellement à mal cette équipe de G2. Superbe passe, effectivement. Et Juicy est beaucoup trop rapide pour cette équipe de G2. La passe est tellement bien pensée de la part de Seiko. Et c'est un 3-0 pour l'équipe française. Quelle combinaison! Quelle combinaison! On a vu tout à l'heure les joueurs de... je crois que c'est la KC, hein, je crois que c'est Atto pour Rice qui avait fait cette passe, exactement cette passe, contre les Gentlemates. Cette fois-ci, ils s'en sont servis pour aller chercher 4 balles de match. 4 balles de Major pour aller chercher le premier titre en LAN de Juicy. Seiko, il sort de 3 finales consécutives. Enfin, c'est sa 3e finale consécutive. Il les a perdues, les 2 précédentes. Là, ils sont en possession de toutes les armes possibles et imaginables pour aller remporter ce titre. Est-ce que le premier Major de Gentlemates finira sur une victoire? Oh, ce serait un très beau message envoyé à toutes les autres structures. Une réussite totale sur ce premier split avec un maximum de points engrangé pour la qualification aux Worlds bien sûr, mais surtout une victoire en LAN et une victoire face à une équipe qui a terrassé nos compères européens. Gentlemates est extrêmement bien dans sa game, tout en contrôle, et même après le time-out de G2, ils viennent quand même inscrire une 3e manche. Pas d'adaptation pour l'équipe nord-américaine, pas cette fois-ci, le time-out n'a pas tout changé, ou en tout cas pas encore du côté des G2, parce qu'ils ont un peu de temps, ils vont pouvoir discuter. Ils vont pouvoir essayer de trouver des solutions. Ils n'ont plus leur timeout, mais ouais, on est en train d'essayer de chercher des moyens de jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté des G2? On a essayé d'être plus agressif, ça n'a pas marché. Vont-ils défendre? La réponse dans quelques instants. Je pense qu'il y a déjà une qualité de touche qui est supérieure du côté de Gentlemates. Oui. On a vu quelques imprécisions de la part de G2 qui font très très mal. Et Gentlemates punit extrêmement bien sur ces situations. Alors, on va voir. En tout cas, j'ai l'impression que du côté de G2, ça se passe dans le mental. Est-ce que c'est de trop ce 3e BO7? Est-ce que c'est de trop d'aller chercher 3 équipes européennes? Réponse dans 5 minutes. Daniel, tu vas réussir à récupérer la balle. Le flip reset pour essayer de lancer un de ses coéquipiers. Il va chercher une démolition pour ouvrir le chemin. On va réussir à défendre sur la ligne des M8. Itachi, déjà dans les airs, il ne se laissera pas feinter par Bismuth. Derrière, c'est Seiko qui peut récupérer. Est-ce que Daniel a la lecture? On a répondu oui. Et ils vont réussir à tenir les G2. Avec Juicy qui va pouvoir se servir de ce ballon. Il est obligé de gagner un maximum de temps pour ses coéquipiers. On va la laisser à Itachi qui est revenu très rapidement. Le webtage ne changera rien. C'est Juicy qui peut repartir avec pas mal d'espace. Compliqué d'aller chercher un reset. C'est maintenant qu'il le prend. Mais ça a été bien vu par la défense orange. Et derrière, on essaie d'épauler avec Atomic. Hein. D'ailleurs, pour remettre le ballon côté opposé, Daniel très haut sur le terrain. Pas de boost pour lui, mais son positionnement est déjà un net avantage par rapport à Itachi. Bon, maintenant, on feinte une première fois, superbe, superbe cette feinte. Mais Juicy derrière peut repartir, on n'arrive pas à profiter justement de l'espace qu'on a réussi à créer. Daniel, il cherche sa passe pour Bismuth, on combine plus ou moins du côté des joueurs de G2. Attention quand même à cette balle qui est en train de filer. Bismuth qui va se faire éliminer. Atomic derrière qui vient la remettre sur le backboard. Itachi obligé de la laisser, bien jouer. Seiko, très bonne communication. Le sang-froid hein, pour l'instant dans la défense des M8. Juicy
il va pouvoir récupérer, il essaye de fixer son adversaire. On va pas rendre le ballon, sachez-le les Jitou, ils ne vont pas la rendre. Itachi, le fake Messi, le challenge derrière, ça ne suffit pas. Il a trop hésité avant de prendre sa décision sur le deuxième défenseur, c'est dommage parce que c'était splendide cette première feinte de la part du capitaine de Gentlemates. Derrière on chutera face à Daniel sur le 50-50 dans le corner. Et l'ancien joueur de Space Station peut repartir avec un superbe duel tailleur. Itachi sera premier. 3 minutes restantes bientôt. On est dans un match beaucoup plus serré. On s'était un petit peu raté là sur cette action, mais ça permet à Seiko de repartir dans le corner. Ouais, Seiko qui va réussir à s'en sortir. Daniel derrière qui peut la récupérer. On est sur le corner. Encore Daniel qui fait la passe. Mais la démolition de Seiko qui vient annihiler l'attaque des G2. Attention quand même à Atomic et sa double tap. Seiko, toujours lui en train de défendre sa ligne. Seiko, la transmission pour Itachi. Et là, c'est un 1v1 joué pour le capitaine des Gentlemates. Finalement, Atomic qui va avoir le temps de revenir. Bismode vient défendre. Bismode encore une fois. On va réussir à contre-attaquer côté G2. Ouais, avec Atomic notamment. Mais il est pump. Et à chaque fois, il y a un contact. À chaque fois, il y a soit Seiko qui vient bloquer et annihiler encore, comme on est en train de le voir. Soit un pump ou une démolition pour recréer de l'espace du côté de Gentlemates et repartir proprement. Attention quand même. Parce que si les bumps peuvent arriver d'un côté, de l'autre aussi, ça peut être très rapide. La double est tentée. C'est une frappe pour Atomic. Elle a frappé. Magnifique. Ah, magnifique, magnifique. Effectivement, avec le corner de Bismode, très compliqué d'aller sur cette balle. De toute façon, on avait double commit là, hein, Juicy Itachi. Même si Juicy, il est positionné, il a plus la ressource. C'est trop dur. Et c'est effectivement très très dur. L'ouverture du score des G2 pour la première fois dans cette finale. Est-ce que Gentlemates peut réussir à revenir? Est-ce que Gentlemates peut aller tout de suite bloquer ce momentum? Parce qu'on sait à quel point des joueurs individuels comme G2, ça peut aller très vite. Et s'ils récupèrent la confiance qu'ils n'ont pas vraiment depuis le début de cette finale, ça peut complètement transformer la physionomie de cette finale. Mode qui fixe le duel. Daniel, le challenge avec Juicy. Bismode qui va essayer d'en profiter. Itachi qui est déjà dans les airs pour aller la renvoyer sur son corner. Atomic par contre là qui vient de se profiler au milieu de deux joueurs. Le challenge est remporté par Bismode. Bismode encore une fois qui va essayer de faire la passe. Incroyable. Et c'est la lucarne qui est trouvée par Daniel. Incroyable de la part de Daniel. Incroyable cette passe, ce service de la part de Bismode. Le 50-50 est à son avantage. Il réatterrit directement sur le backboard et se replace pour aller chercher la passe dans l'axe. Daniel est au courant. La communication est bonne et on vient annihiler complètement la tentative de défense de Gentlemates. Break fait côté G2. Est-ce qu'on a une réponse après ce kick-off? Ouais, la bonne démolition. On va empêcher les Gentlemates d'essayer de combiner. Itachi et Seiko, c'était pas très loin, mais la défense des G2 qui tient bon. Attention à la contre-attaque Juicy qui s'est fait éliminer. Daniel va se faire bloquer par Seiko, mais derrière la frappe. Et c'est open. Atomic qui met le troisième but. J'ai l'impression que cette finale, Bashi, ne finira pas sur un 4-0. À moins d'un réel retour de Gentlemates dans cette quatrième manche. Ce qui serait un véritable miracle au vu de la physionomie du match. On sent un G2 beaucoup plus incisif. On sent un G2 avec de bonnes idées qui arrive à tenir ce milieu de terrain qu'ils n'arrivaient pas vraiment à faire jusqu'à maintenant. Et ça fait toute la différence pour maintenir la phase de pression le plus longtemps possible et faire enfin craquer cette défense bleue. Let's go. Très bon challenge. Daniel qui a beaucoup d'espace. Oh, attention, Atomic qui est positionné vers l'avant. Ça va, ça touche le bas, n'est pas vraiment dangereuse. Itachi qui va essayer de récupérer des duels. Il reste encore 1:10. Il reste encore du temps pour les M8. La passe de Juicy pour trouver Seiko. Seiko dans les airs, pas assez de ressources pour aller trouver quelque chose d'efficace. Et Atomic en deux temps qui la renvoie de l'autre côté. Ça va gagner quelques secondes encore pour l'équipe nord-américaine. On vient bloquer de la part d'Atomic, c'est bien fait. 32 boosts. Oh, qu'est-ce que c'est que ce 50-50? Juicy était contraint de sauter en plus en panique. Ce ballon pouvait être cadré. Et encore une fois, un ballon loin dans le camp bleu, bloqué par cette présence milieu de terrain qui fait la différence. Les Nord-Américains ont compris, j'ai l'impression. Les Nord-Américains auront mis peut-être une game de plus que ce qui était prévu. Mais cette fois-ci, le game plan est bon. Attention à ce dégagement de Juicy qui va atterrir dans les roues de Bismode. Hein. La pression côté G2 ne se relâche pas. Les M8 qui ont beaucoup de mal à ressortir de leur camp. Daniel, finalement la fin de point comique. On se jette à beaucoup. Là du côté des G2, Bismode qui s'est fait feinter. C'est open normalement, mais compliqué pour Itachi de pouvoir directement repiquer dans l'axe. Ah oui, d'accord. Le challenge est cadré. C'est un quatrième but. 4-0. 4-0 et ce qui fait peur. C'est la manière. C'est la manière, c'est la confiance avec laquelle G2 vient faire ses dernières secondes. On pré-jump, on s'amuse, on est dans son match. Et on sait à quel point des joueurs individuels, des joueurs avec ce talent-là, s'ils se mettent dans ces conditions-là, ils peuvent faire toute la différence et renverser complètement cette grande finale. Il y a encore beaucoup de chemin, bien sûr, c'est un reverse sweep ou rien. Mais déjà, les G2 ont fait le premier pas.
Les G2 effectivement qui font le premier pas, qui s'ouvrent une première balle de match et qui ne laisseront pas l'Amérique du Nord se faire éliminer aussi facilement de cette grande finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe présente dans une grande finale comme ça, de l'AN International, de Major ou de Worlds, du côté de l'Amérique du Nord. Les G2 ne vont pas se prendre un 4-0 et rentrer à la maison, c'est hors de question. Il faut revenir jusqu'au Fall Major de la saison dernière. C'était deux. Il y a eu FaZe aussi à un moment, non ? Il y avait FaZe pendant le Winter Major. Ouais. Donc en vrai, pas si longtemps. C'est pas si long, c'est il y a un an. C'était il y a un an, effectivement, avec First Killer notamment, Myst et SCP Call un petit peu plus tôt, apparente Lil Jack, Noli et Chronic. Et finalement, maintenant, c'est bien Atomic, Bismod et Daniel, trois nouveaux joueurs qui sont là pour essayer de mettre à mal nos équipes européennes. Genji avait réussi. FaZe, non. C'est la nouvelle opportunité désormais pour essayer de prouver au Rocket League mondial, prouver au Rocket League français que l'Amérique du Nord est encore présente pour aller chercher des titres. C'est sûr que l'Amérique du Nord n'a pas dit son dernier mot, mais regardez-les, ils sont motivés. Les joueurs de Gentleman 8, ils veulent en finir maintenant. Évidemment, ce n'est pas le cas de leurs adversaires qui ont bien envie de jouer quelques games de plus. Un petit peu de Rocket League. Voilà, pourquoi pas, hein. On va pas s'arrêter maintenant. On va voir comment ça va se passer. On est parti pour la cinquième game de cette finale du Major de Copenhague. Les M8 sont toujours en balle de match. Potentielle dernière game de ce tournoi, de ce premier rendez-vous intercontinental de 2024, effectivement. Avec pour l'instant, dès les premières secondes, un ballon dans le camp adverse, dans le camp de Gentlemate. Et un G2 très incisif une nouvelle fois, dès les premières secondes. Oh, G2, c'est un nouveau visage. Il leur a fallu qu'une game de plus finalement. Mais attention, ils sont incisifs et ils sont efficaces. Les G2 en attaque. L'ouverture du score très rapide d'Atomic. L'engagement. Atomic encore, Itachi Seko, la strat kick-off, bien follow. On n'a pas réussi à transformer ça directement en but, mais au moins en une occasion. Attention quand même à cette balle, elle n'est pas cadrée pour l'instant. Atomic qui va avoir la lecture, il a réussi à éliminer un joueur. Itachi derrière, il faut rester très solide du côté du capitaine. Daniel qui va pouvoir la récupérer. Itachi qui vient la décaler, mais c'est dans l'axe, ça reste très dangereux. La frappe de Bismod, c'était Atomic, mais c'est arrêté. Avec Bismod, on s'est troué. Attention, ça va laisser un petit peu d'espace au Gentleman pour repartir. Il y a quand même cette frappe pour bloquer Itachi dans la relance et les obliger à rester justement en défense. Itachi avec le bump, Daniel, travail de relance à faire. Ça sera directement bloqué, j'ai l'impression, par Juicy. Bismod était sur le ceiling. Atomic maintenant, il est contraint de remettre ce ballon loin vu qu'il y a eu un pré-jump qui a été raté. Il n'a plus de solution en attaque. Et donc on préfère gagner un maximum de temps pour se replacer et essayer de défendre le plus haut possible. Ouais, on a réussi à récupérer le contrôle de la ressource du côté de Daniel. Il va feinter pour son coéquipier. Atomic face à Itachi, le bum qui est cherché du côté de vétéran de G2. Attention à ce challenge qui va retomber devant la cage. Récupération de Daniel. Il tente de partir jusqu'au ceiling. La double tap de Daniel le fait plus. Daniel pour aller faire le break. L'un des joueurs qu'on a le plus vu pendant ce premier split online vient encore une fois de revenir. Quelle réalisation, quel flip reset, quel deuxième but de G2. Allez, on est parti, un nouveau kick-off, Juicy qui va pouvoir la reprendre. Ouh, on se bat directement, hein. Daniel qui a réussi à donner et le ballon et le boost à son coéquipier Atomic qui fait la passe pour Bismod. On ne s'est pas jeté du côté de Bismod, on avait vu que Seiko était très bien positionné, mais il y a eu des démolitions dans le camp adverse. Atomic qui essaye de prendre son temps, oh, Daniel pour la frappe. Oh, Juicy ne peut pas, les G2 déroulent. Oh, ils sont à l'aise, ces joueurs de G2. Seiko qui passe à côté, Bismod, superbe, le 50-50, il vient le feinter. Faire penser, faire croire à Itachi qui va mettre de la puissance et finalement laisser tout simplement le Marocain faire une passe à son adversaire. Et derrière, on est là pour croiser le ballon, en plus 3-0. Attention, parce que dès le kick-off, on repart encore une fois dans le camp bleu. Itachi va réussir à dégager ce ballon, pas de seconde touche pour lui. Bismod, le contrôle, la tentative de feinte qui ne fonctionne pas sur Seiko. Atomic qui prend son temps. Ou attention, Seiko et Juicy, on les a vus au même endroit, du coup personne ne pourra y aller. Atomic, il a un boulevard pour pouvoir remonter le terrain. Plus de ressources pour lui, mais il continue de gagner des challenges. Encore un double commit entre Itachi et Juicy. Itachi, le pré-jump qui touchera le ballon de justesse. Daniel, le duel, Seiko qui se bat dans le corner, ça va repartir de l'autre côté. Juicy qui va réussir à la reprendre. On a besoin d'Itachi sur ce ballon et il est là. Bismod pour repartir. Alors qu'on les entend, on est à l'autre bout de la salle par rapport aux green suits, par rapport aux supporters de Gentlemate, et pourtant on les entend bien dans la salle. Avec Daniel qui est là pour décaler ce ballon. Juicy
pour récupérer. On essaie de mettre le plus loin possible. La moitié du temps réglementaire est bientôt arrivée. Et pour l'instant, les G2 mènent à la baguette cette cinquième manche. Seiko va tenter de repartir avec le flip reset notamment. Il l'a envoyé tellement loin, mais un petit peu trop. Ah, Daniel qui va réussir à transmettre à Bismode. Et attention, je crois que c'est complètement open pour les G2 qui n'ont plus qu'à pousser dans une cage vide. 4 à 0, la réponse de G2 sur ces deux dernières games est incroyable. Cette deuxième touche de Bismode à la fin de son flip, allez, qui réaccélère le ballon dans sa course et qui surprend complètement le dernier défenseur de Gentlemates, milieu de terrain qui veut être agressif. On sent que du côté de Gentlemates, on veut encore le troisième joueur saute sur les ballons, même si le timing est serré, parce qu'on veut absolument bloquer cette attaque de G2, mais là, ça ne fonctionne plus. Là, les G2 ont trouvé la clé justement pour passer et pour dominer cette cinquième manche. C'est qu'on peut être pour aller mettre sur le ballon dedans. C'est une belle passe. Itachi qui suit. 2 minutes restantes, 3 buts. Professionnel comme move du côté des Gentlemates. Seiko qui a un open mais qui va aller servir Itachi, et Bismode ne peut rien faire sur cette action. Ouais. Itachi et Seiko l'ont juste trop bien joué. Il reste 2 minutes. Tu l'as dit, il reste 3 buts, surtout du côté des M8. Oh. La petite feinte sur le kick-off du côté de Itachi, ça n'a pas vraiment été concluant pour les M8. Seiko qui va réussir à défendre, Daniel qui vient remettre de la pression. Itachi qui s'est fait challenge par Bismode, ça va revenir avec Jussi qui essaie de dégager la balle. Bismode pour intercepter. Il sera premier, c'est neutre entre les deux joueurs, ça peut profiter à Jussi. Situation complexe, on essaye de la remettre au Jussi avec le bump derrière. Oh mais Jussi, qu'est-ce que t'es en train de réaliser dans ce major? La première touche pour se réorienter, le pinch derrière et le bump sur Bismode. Sublime service de la part de Jussi. Seiko qui se régale d'une passe comme ça. 1 minute 37 encore pour essayer de remonter du côté des M8 avec le kick-off. Itachi Atomic, Bismode qui va pouvoir en profiter. Il essaie de tirer directement, mais Jussi n'est pas naïf, il s'y attendait pas de Seiko. Seiko qui va pouvoir la récupérer. Le duel à venir avec Atomic, ça repart très vite dans l'axe. Daniel, il est le premier pour l'instant sur ce ballon. Itachi qui arrive lancé, qui va la renvoyer dans le corner. Atomic à la réception, Itachi qui va aller prendre le duel. Il est important ce duel. Daniel qui doit rester solide dans son corner. Mais Seiko, il l'attaque fortement. Mais regardez bien comme joué. Il est dur à passer, Daniel. Ouais, on sent toute l'expérience de joueur 1v1 de la part de Daniel. On le rappelle encore une fois, gagnant du Salt Mine, le plus gros tournoi 1v1 de ces derniers mois. C'est pas étonnant du coup que le passé en 50-50 ce soit compliqué. Attention quand même à cette balle. Il y a Bismode qui sera seul dessus avec Jussi pour décaler. Daniel essaye de la frappe directe, mais ce sera tranquillement décalé par Itachi. Le Marocain va faire face à Bismode maintenant. C'est à l'avantage du joueur Mena avec Daniel pour repartir. Il n'y a pas de boost pour un flip reset. Jussi ne le sait pas, mais il arrive à gagner son challenge. Seiko qui essaye de pousser. Bismode qui va la contrôler. On devrait mettre de la pression, j'imagine, de l'autre côté. La feinte ne fonctionnera pas. Itachi était là. Atomi qui va réussir à s'en sortir. Il décale le long du mur, mais Jussi n'est pas naïf. Le pinch derrière bloqué par Daniel. Daniel encore, il a un peu de temps. Il va réussir à le renvoyer, mais c'est sur Itachi qui fait la passe. Sauf que Bismode est dans les airs. Itachi qui arrive à le gêner. Jussi à la reprise. On a trouvé une démolition. Le ballon va être compliqué pour Daniel, mais la lecture est réussie. Il n'avait pas de boost pourtant. Il n'avait pas de boost, Daniel, mais il est quand même là. Attention au drop. Attention à la passe. Itachi qui était avec ce pré-jump, ce pré-flip. Derrière, on a Itachi qui va passer à côté, malheureusement. Est-ce qu'il a voulu tenter la passe au deuxième poteau? En tout cas, 5 secondes restantes. Ce sera impossible, Bashi, d'aller chercher une égalisation, quoi qu'il arrive. Les G2 Esports ont fait la moitié du chemin pour arriver ensuite. C'est une nouvelle balle de match qui est sauvée par les G2, qui est sauvée par Daniel, par Bismode et par Atomic, qui ne veulent pas, oh non, qui ne veulent pas laisser les Gentlemates remporter ce Major de Copenhague. Ce sont les Genji qui avaient remporté le premier Major de la saison dernière, une équipe nord-américaine. Ils veulent perpétuer la tradition du côté des G2, du côté des Samouraïs. Est-ce qu'on va avoir un time-out proposé par River Sax? Parce que soit G2 effectivement gagne cette manche, oui, mais ils enchaînent 3-4 buts d'affilée, mais sur la fin, Gentlemates, j'ai l'impression, réussit à s'adapter. C'est eux qui dominent. Est-ce qu'on veut réellement couper ce momentum du côté du coach belge de Gentlemates? On va avoir la réponse dans quelques instants, bien sûr, mais on sait très bien à quel point certains coachs, je nommerai Ferra, ont eu l'intelligence justement de ne pas prendre ces situations-là, notamment lors de l'on-goal de Zen face à la Carmine Corp en demi-finale des Worlds, parce qu'il savait très bien, il voyait très bien que son joueur était en confiance. De toute façon, la réponse se passe dans la communication des mutes. Exactement. Parce que vu le scénario, je suis entièrement d'accord avec toi, Eversax ne prendra pas le time-out s'il n'y a pas de panique, s'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas de choses qui ne sont pas normales dans l'équipe de Gentlemates.
et ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne vois pas de logo timeout sur le bureau des M8. Je pense qu'on va repartir pour une sixième game. Je pense qu'on va avoir une nouvelle balle de match pour les Gentlemates. Mais les G2 sont à une game de nous emmener en Game 7. Oh, quel scénario ce serait de repartir encore une fois sur une septième manche dans ce Championship Sunday phénoménal, dans ce Major phénoménal, dans ce Juicy phénoménal. Mais ça a été bloqué par la défense dès les 10 premières secondes. Gentlemates a envie de confirmer que oui, ne pas prendre de time-out, c'était la solution. Juicy qui va devoir bloquer, il ne veut pas se jeter. Voilà, il va laisser Seiko qui est dans le bon sens, aller se trouver le challenge gagnant. Derrière Itachi qui a pu la récupérer. Itachi, la frappe d'Itachi, oh, c'est sur le poteau. Il n'arrive pas à aller chercher le air-roll shot là-dessus. L'angle était compliqué, il y a Seiko maintenant pour repartir. Un petit peu de boost, compliqué, mais on arrive à prendre le 50-50. Itachi, non, sur le poteau. Cette fois-ci, Itachi, imprécis sur le dernier geste. Attention, attention à ses imprécisions. C'est quoi ses droits au dos but? C'est droit au fond qu'il va l'enfoncer pour aller donner l'ouverture du score au M8. On a eu chaud avec cet open raté d'Itachi, même si la position est dure, même si l'enjeu est incroyable. Seiko sera là pour venir terminer cette action. Et ça fait la différence parce que cette fois-ci, ce sont bel et bien les M8 qui ouvrent le score. Ça aurait été un turning point de cette finale. Ça, c'est sûr, heureusement. Mais maintenant, du côté d'Itachi, il faut se remettre dedans. Il faut revenir avec cette agressivité, avec ce talent, avec cette efficacité sur les 50-50 qu'il a pu nous montrer tout au long de ces playoffs. Juicy, le duel avec Seiko qui sera premier. La frappe, elle est magnifique. Seiko! Mais c'est quoi ce boulet de canon? Mais c'est quoi ce tir des enfers? Mais les titous vont en faire des cauchemars de cette frappe! Seiko qui vient surprendre tout le monde et qui vient faire le break pour les M8. 4 minutes de jeu restantes. Mais cette fois-ci, ils mènent 2-0. Les Gentlemates, ce n'est plus comme les deux balles de match précédentes. Ce ne sont pas les titous qui dictent le rythme. Atomic, pardon, qui va réussir à profiter de la passe de Daniel. Mais ça a été bien récupéré par Seiko. Le duel avec Bismuth, Itachi dans les airs. On cherche une passe de l'autre côté du terrain, mais il n'y avait que Daniel. Le wall read de Daniel va feinter finalement pour la frappe d'Atomic. C'est arrêté. Très intéressant, il avait gardé son flip pour mettre encore un petit peu plus de puissance. Attention, ça revient dans la boîte. Il y aura Itachi quand même pour la décaler. Daniel, pas mal d'espace. On va reset ceiling. Itachi, Juicy, il faut sauter sur ce ballon. Sinon, on laisse un petit peu trop d'espace. Mais finalement, on a bien joué parce qu'on avait anticipé la passe. Il y a une nouvelle opportunité avec Bismol. C'est le poteau qui s'offra pour l'instant. Le but est vite la part. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Il y aura derrière la défense d'Itachi. On a eu chaud du côté M8. Attention, Itachi qui va réussir à passer. On a plus de boost du côté du Marocain. Il ne pourra pas faire plus. Atomic qui va essayer de ressortir avec le contrôle du ballon. Il arrive à faire la transmission. Mais Juicy sera là pour venir intercepter. Attention à cette frappe d'Atomic. C'est arrêté par Seiko. Bismuth, le contrôle de balle, Itachi qui nous prend notre challenge. Juicy qui va se faire dunker par Bismuth qui continue de mener la vie dure à la défense bleue. Récupération de Bismuth, encore lui qui sera là pour essayer de terroriser les Gentlemates. Mais Juicy dégage. Juicy est à deux doigts de marquer. Ce n'est pas cadré. Ah, il va pouvoir la décaler, Daniel. Il y a Bismuth qui est juste derrière lui. Daniel, on feinte pour passer Itachi. On bump derrière pour permettre à Atomic de repartir avec de l'espace. Mais Juicy sera là pour la récupérer. 2 minutes 30, bientôt. La moitié du temps réglementaire passé et les Gentlemates sont virtuellement champions de ce Major de Copenhague. Si jamais aucun autre but n'est marqué, on essaie de mettre de la pression du côté de G2, mais Juicy va pouvoir dégager. Bismuth, dernier défenseur, il va falloir retrouver ses balles. Atomic était parti se placer en avant, peut-être pour la transmission pour Daniel, c'est ce qu'il cherche maintenant. Mais la frappe est arrêtée par Itachi, si je ne dis pas de petit. Seiko sera au duel. Bismuth dans le corner, Bismuth encore bloqué par Itachi. Itachi qui va essayer de rejouer ce ballon, il arrive à la remettre dans les airs. Atomic qui va pouvoir récupérer. On ne veut pas rendre le ballon cette fois-ci du côté des G2, sauf que Seiko est là et Seiko ne perd pas ses challenges. Daniel qui a réussi à passer, Itachi qui refait la passe. Récupération de Bismuth, Itachi toujours là pour bloquer les joueurs de G2. Juicy qui vient la renvoyer, Daniel qui était obligé de sauter pour aller chercher cette balle et on souffre du côté des G2. Ça ne passe pas le milieu de terrain, ça se gêne du côté des G2. Bismuth doit repartir proprement, mais c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Superbe cette déviation, ça va permettre à Atomic justement de faire le travail derrière. Daniel, on va chercher dans l'axe. Bismuth est premier pour Daniel. Attention, on essaie de la remettre. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On passe de la part de G2, mais ça ne suffit pas. Seiko qui va rater son wall read ou qui va feinter pour Itachi. En tout cas, le ballon est dégagé de la part des mutes, mais il revient très très vite avec cette touche de balle. Seiko dans les airs, Bismuth, Itachi, c'est Itachi qui sera le meilleur sur ce challenge. Atomic qui va réussir à la renvoyer, il n'a pas assez de boost pour y aller, mais de toute façon, Juicy était premier. Daniel la passe, Bismuth qui arrive de loin, Bismuth qui essaye incroyable de compter. La double attaque de Bismuth. Incroyable.
Stade. Les G2 n'ont pas dit leur dernier mot. Cette attente, cette patience du côté de Bismol pour partir justement éliminer trois joueurs en une seule touche. Tout ça parce qu'il a varié le tempo de la touche. C'est absolument magnifique. C'est digne d'un joueur de cette finale. G2 revient. 1 minute 05. Attention à ce kick-off, c'est Nico qui est déjà dans les airs, c'est Nico qui a un free preset. Atomic a pu le stopper, mais derrière Itachi va se faire arrêter par Daniel, le pinch. On essaye de dégager du côté des G2 et c'est réussi. Attention, c'est Nico. Bismol derrière la fumée qui allait extrêmement vite sur ce ballon. Attention à la passe désormais Atomic. Il y a un moment fort pour les G2. Attention à la peur de gagner de la part de Gentlemate. C'est Versax, il en a parlé avec, après le quart de finale. Ça peut être dangereux, ça peut faire mal. Si jamais on commence à hésiter, les G2, ils n'attendent que ça. Oh le bump est magnifique, c'était quasiment open pour les joueurs de G2, quel bump qui a été trouvé. Attention Daniel qui va venir contrôler la balle, essayer de ressortir, mais Itachi ne va pas le laisser faire, il est bien secondé cependant par Bismol. Bismol encore pour éliminer Juicy, Seiko attention à Daniel qui n'est pas très loin. Attends mais qu'il ne peut pas sauter tout de suite sur ce ballon, voilà il va y aller, mais Itachi qui trouve le challenge, il reste 17 secondes, 17 secondes et s'il n'y a pas de but inscrit, les M8 sont champions. Juicy qui décale, attention, ça peut laisser de l'espace, Daniel dans les derniers instants, c'est sur le poteau, ça a été défendu, 5 secondes, on va essayer. Défendre très haut de la part de Gentlemates. Essayez de profiter justement avec cette redirection d'avance sur le backboard. Je sais qu'il fake. Et les Gentlemates viennent défier toutes les statistiques. Les Gentlemates sont vainqueurs de ce major de Copenhague. Ils le font. La quatrième seed européenne sortira première de cette ronde suisse pour finalement aller devenir champion du major de Copenhague. Et Versax félicite ses joueurs évidemment. Le capitaine lève les bras, Itachi, Juicy et Seiko sont nos champions. Quelle prestation! Quelle prestation tout au long de ce week-end! Quelle prestation de tous ces joueurs! Oh, quel Seiko incroyable on a eu sur les dernières games. Quel Juicy phénoménal on a eu sur ce tournoi. Et que dire d'Itachi? Que dire d'Itachi, dont on sentait qu'il avait du mal au fur et à mesure de ce split à trouver sa place. Il avait du mal à pouvoir jouer son jeu. Et là, on a enfin trouvé le potentiel de Gentlemates. Il s'est enfin exprimé. Saute, hurle ta joie, Itachi, tu la mérites très clairement. Quelle performance des Gentlemates! Évidemment, ils sont allés chercher leur adversaire de toujours en demi-finale, évidemment, la Karmine Corp. Après cette intersaison mouvementée, Itachi et Versax qui viennent derrière éliminer la seule équipe nord-américaine de ces demi-finales, de ce top 4, et qui vont maintenant pouvoir soulever le trophée de ce major de Copenhague. Les Gentlemen sont nos champions! Champion du major de Copenhague, champion de ce premier rendez-vous intercontinental de la saison 2024. Champion face à 15 autres équipes venues du monde entier et de leur propre région qu'ils auront réussi à surpasser. Ils pourront remporter ce trophée, remporter cette coupe et prouver au monde entier que malgré les difficultés rencontrées dans les tournois online, ce qui est important, c'est la performance sur le moment, sur la scène. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils ont travaillé dur, ils sont arrivés sans la confiance, ils ne sont pas allés chercher eux-mêmes leur qualification, pas complètement en tout cas. Évidemment, c'est grâce à eux qu'ils ont été qualifiés, mais ce n'est pas eux qui sont allés chercher ce petit point qui leur manquait. Et maintenant, ils ont travaillé, travaillé, travaillé pour finalement venir ici soulever le trophée du KB Allen de Copenhague et être nos premiers champions de la saison RLCS 2024. Alors pas toute la saison bien sûr, mais un major c'est déjà pas mal.
me pose des questions parce que vous le voyez peut-être sur les caméras, mais la personne en jaune est Boyan sur cette scène et je me demande ce qu'il fait là. J'avoue, pourquoi il y a Boyan? Attends, il y a Boyan? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a Boyan? Je ne suis pas au courant. Ah, il va faire la traduction. Oh, oh Boyan qui va faire la traduction. Je me permets effectivement d'intervenir parce que de base, Boyan devait host. Merci cette potion. Et il est venu me voir, il m'a dit c'est moi qui vais faire la traduction sur scène. Si Gentleman gagne, tu prends ma place. Donc je suis là et on voit Boyan qui n'en perd pas une miette. Petite promo pour le merch Rocket Baguette. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller sur notre boutique si jamais. Ah. Oh, il est beau. Il est beau, Jesse, avec ce trophée. They're amazing. Yeah, I have no words to be honest. It's fucking crazy. Like, sorry for the we worked really hard. C'est absolument fou. Didn't have a good split, but on a tellement bossé. Really hard to come back, to on a back. Tellement bossé pour revenir. Everything about our gameplay. On a tout changé sur notre gameplay. So proud of the team. I love them so tellement. Tellement fier, je suis tellement content, il peut pas s'empêcher de dire des gros mots. Deux fois, ça attention, fait deux fois. Il va être banni des interviews, il t'agit, il continue. I'll give you one more. You guys at the beginning of this were au début, referenced as the leftovers a couple times. Vous avez été référencé comme voilà. Ceux qui restaient en tant qu'équipe. Personne nous a prévu. Les underdogs. Personne nous a prévu. Look at us now. Ah, regardez-nous. This proves that Rocket League doesn't work on predictions. Ça prouve que Rocket League est au-delà des prédictions. They're amazing. Ils sont absolument fous. Cette équipe est folle. Hey Juicy, talking to you now. Juicy. Yeah, come on over here. Come on, let's hang it out. For you, you are icy on land right now. You are icy. I'm questioning. T'avais la glace dans les veines. Are these guys making the difference for you? Est-ce que ça fait la différence? Definitely. Definitely. Absolument, totalement. They're like the whole way through. So I'm just happy to be there. Ils ont été là du début à la fin, donc je suis juste trop content. Thank you guys. Merci. Merci énormément. Merci d'être là. Merci les gars. Absolutely incredible. I mean, for you, there's no way anyone could fathom coming into this. You feel confident. There's no way you can fathom that you are going to go through this entire tournament without losing once, especially seeing the bracket you guys had. Est-ce que tu t'attendais à tout traverser sans jamais perdre, vu le bracket? Falcons, on a eu Runwan, Falcons, BDS, Genji, KC and G2. All of them Carmine were close games. G2. I mean, what can I say? C'était fou et surtout on les a tous eu avec un maximum de games joués. C'est totalement fou. I got a question for Seiko, Mr. World Champion down there. Je pense que Boyan fera la traduction sur celle-là, j'imagine. For you now, from world champion and then multiple finals in a row, it must get frustrating to not win them. Is this a relief for you to finally get a win here now on LAN again? Est-ce que c'est un soulagement pour toi d'enfin réussir après avoir perdu plusieurs finales, d'enfin réussir à en gagner une? En vrai, Vitality, ils ont leur air, ils m'ont farm en LAN, ils m'ont culé à chaque fois en finale. Mais maintenant, ok. C'est l'air de Gentlemate, les gars. Vitality, à la réponse de Zinzin. Ah, il a dit beat me, juste bizarre. Il a pas dit farm. C'est quoi cette traduction? Il a oublié un mot, là, quand même. L'intention de l'interviewer, c'est important. On rappelle que Boyan a fait des études linguistiques. Je pense pas que ça soit un problème de linguistique, là, clairement. C'est dit après la phrase de Juicy, on va pas la mettre à Seiko non plus peut-être. Seiko aurait dû dire cultiver. Oui, bien sûr. And then I do want to ask Eversax, I need you to tell me, you stuck with Itachi through all this crazy roster resté avec Itachi pendant tout ce mercato. I just want you to tell me how incredible it is and proud of these boys. À quel point t'es fier d'eux? I'm so so proud, especially when we had a tough split. Je suis tellement fier, surtout avec le split difficile qu'on a eu. On a énormément regardé ce qu'on pouvait changer. Absolument. On a tellement travaillé. C'est fou. Now there's one more order of business for you guys. Une petite question pour Boyan, peut-être. Welcome to the stage, Squishy with your medals. Et on accueille Squishy.
qui va pouvoir remettre les médailles. Ce coup-ci qui regarde Eversax et qui lui dit ouais t'as gagné contre Luan, mais tu calme-toi. Une légende de Rocket League qui remet la médaille à des légendes de Rocket League. Comme un symbole. It's time for more celebration. One more time for your Copenhagen Major. Et encore une fois, faites du bruit pour vos champions du Major de Copenhague, Gentlemates. Quelle performance. Quelle équipe. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire, les Gentlemates? C'est une dinguerie, C'était quatrième site européen. On va s'en souvenir longtemps. On était à deux doigts de se dire, oh mon Dieu, est-ce que Rédemption va leur passer devant pour le Major? Ils viennent de le gagner. C'est une dinguerie. Magnifique. Ah, magnifique, ma biche. Non, c'est beau, effectivement. Et Juicy l'a très bien rappelé, hein, le parcours de Gentlemates durant tout ce tournoi. On a commencé par Wulwan, ensuite BDS, Falcons, Genji, Carmine Corp, G2, le monde entier y est passé, mis à part la région SAM, bien évidemment, ils n'ont pas pu les croiser. Et les OCE, mais bon. Il faut les laisser de côté. Dans leur coin, il y a Mout qui les a rejoints aussi sur scène, hein, le manager Brooks qui a accompagné l'équipe, bien évidemment. Bien sûr. Là, la fierté hein, sûrement de Brooks, Gota et Squeezie d'avoir misé, parié sur eux. Et vous on repense à l'interview d'Eversax il y a quelques semaines chez nous pendant le Baguette Flash sur Rocket Baguette. Et on comprend pourquoi cette équipe est là, choisie Juicy. On en reparlera, je pense, quand on évoquera le choix des MVP. Mais ça ne m'étonnerait pas que le nom de Juicy revienne, tant il a été injouable pendant cette finale, au moins pendant les trois premières games. Clairement, Juicy qui a été incroyable. Juicy qui nous a absolument régalé, qui a été créatif, qui a été très solide mécaniquement, qui n'a jamais tremblé en défense. On rappelle, c'est son premier championship today en LAN. C'est la première fois. Il a été éliminé aux portes la dernière fois au World. Là, il est là. L'IFX lui a dit, t'as de la glace dans les veines, mais c'est plus de la glace dans les veines. Il a des veines dans la glace, j'en sais rien, je ne comprends pas. Ça ne bouge plus, les atomes ne bougent plus. Non, ouais, on est à moins 273 degrés. Il a fait une prestation déjà excellente contre Cassé. Oui. Ouais. Il a réussi à faire la finale. Oui. Non, c'est absolument dingue. La manière dont il arrive à créer des espaces, il est systématiquement là. Genre, on parle souvent de beaucoup de joueurs qui sont très talentueux via leur activité sur leur terrain. Juicy, c'est typiquement ce genre de joueur de la nouvelle génération. Ceux qui, dès qu'ils peuvent produire quelque chose pour leur équipe, ils le font. Il n'y a pas de grande rotation back chez eux. Si jamais j'ai quelque chose d'intéressant à aller chercher pour mon équipe, je le fais. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Il le fait parfaitement. Le nombre de passes, le nombre de cadeaux qu'il donne à Itachi et Seiko pendant cette finale, c'est dingue. Ouais, il a été incroyable. Il a été incroyable, effectivement. Juicy, encore une fois, félicitations à Gentlemates qui n'a rien envie à personne hein, sur cette compétition. Ils sont arrivés, je pense, quand même un petit peu dans le doute dans ce Major de Copenhague. Confiants, mais voilà, pas à 100%, étant donné qu'ils se cherchaient encore. Ils ont quand même travaillé, certes, mais. Ils n'avaient pas les résultats. Voilà, tu peux pas être confiant tant que tu n'as pas les résultats sur le terrain. Là, maintenant, ils l'ont prouvé. On le savait déjà en début de saison. On l'avait peut-être tous un petit peu remis en question. En Europe, on a 4 gros cadors. Et le classement qu'on avait un petit peu émis avant le début de ce tournoi, oui à Cassé, oui à BDS et un peu Vita, oui à Gentlemates. À mon avis, si on refait tous les classements maintenant, ça risque d'être plus la même histoire. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour un Baguette Flash dans pas très longtemps. Peut-être mercredi prochain, parce qu'on va rentrer lundi, donc ça va quand même être un peu compliqué. Il va falloir dormir un peu. Il y a des pinches à tourner, il y a des choses à faire. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des petits classements, effectivement, de ces équipes et de ces joueurs au Major. Mais ils seront très très hauts, ça c'est sûr. Ouais, ils ont été excellents. Un petit mot quand même sur G2, bien sûr, qui aura eu beaucoup de mal à rentrer dans cette finale. Hein. C'est un petit peu ce qui est regrettable. On aurait aimé avoir une finale un peu plus serrée. Malheureusement, les trois premières games, ils se font complètement manger. Ouais. Ensuite, il y a ce réveil. Ils arrivent quand même à mettre deux games de suite où ils inscrivent 4 buts. 4-0. Donc c'est vraiment un bon réveil. Il y a un 4-0 et un 4-2, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il y a cette game 6 qui est
archi serré quand même. C'est, et à la fin, pour revenir à égalité, c'est un peu comme ce qu'ils faisaient contre Vita. Ils poussaient beaucoup. Mais Gentlemates, une fois que ça a le lead, j'ai l'impression qu'ils sont incapables de perdre. En fait, dans ce tournoi, à partir du moment où ils avaient deux buts d'avance, c'était fini pour l'adversaire. C'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à réaliser, G2 en vrai, parce que tu mets tellement de temps, et ça s'est vu, il y a eu beaucoup d'imprécisions hein, sur le début, ce qui donne énormément d'espace pour Gentlemates pour s'exprimer. Et en plus, derrière, quand ça lance la machine, tu sens que c'est une machine à highlight et que ça chantonne. C'est une équipe qui se base sur le momentum, ça se base sur les individualités, donc sur le momentum, et ça s'est vu au fur et à mesure de leur parcours durant les playoffs. Cette fois-ci, effectivement, je te rejoins, Gentlemates, quand ils arrivent à te lock in, et on remerciera Eversax pour ce non timeout qui a bien senti le coup. Oui, effectivement, on en a parlé un petit peu de prendre le timeout alors que c'est vrai que tu es en train de perdre deux games d'affilée, mais la fin de la cinquième game, qui est très à l'avantage de Gentlemates, hein, qui sont en train de pousser de leur côté. Et on se disait, alors à sa place, je prendrais, s'il n'y a pas de panique dans le vocal et qu'il n'y a pas des trucs qui posent problème dans la com, on ne prendrait pas le timeout. Le temps mort est peut-être plus intéressant effectivement à garder avant un match 7 où tu sais que là va y avoir une pression de fou et pouvoir te descendre un peu, te calmer. Pression, tranquille, c'est important. Te rappeler ce qui est important. Mais t'en parlais un petit peu de quand ils sont devant et le fait que c'est impossible de les égaliser. J'ai failli me tomber, je sais pas pourquoi. Ça va, il y a une barrière. Il y a une barrière, mais j'ai eu un doute. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a Seiko. Il peut perdre un duel de temps en temps dans sa vie ou c'est une dinguerie. Déjà, elle a cassé. Oui. Ils n'ont pas kiffé, à mon avis, Seiko, hein, sur ces challenges. Mais là, à la fin, c'était ingérable. Jussi qui pop-off dans tous les sens. Itachi qui est trop intelligent dans ses actions de jeu. Et Seiko qui est capable d'enchaîner 5 duels d'affilée sans les perdre. Au bout d'un moment, c'est dur de marquer des buts. Quoi. Seiko qui... Il rejoint mon Kimono en tant que vainqueur de Major et vainqueur de championnat du monde, ouais, tout simplement, puisqu'il n'avait pas gagné jusqu'à maintenant de Major, Seiko. Il vient remettre aussi son nom sur la table. Et vous le voyez, on n'a même pas le temps de faire notre élection, mais je pense qu'on est tous assez d'accord. Hier, on aurait peut-être plutôt mis Itachi. Aujourd'hui, on n'a pas de doute sur le fait que Juicy mérite ce titre. Ça dépend si on compte que sur la finale ou on se compte sur tout le tournoi. Parce que sur tout le tournoi, Itachi mérite quand même beaucoup. Oui. Mais effectivement, sur les playoffs et globalement sur ce dernier jour, Juicy. Je vois quelqu'un en train d'arriver là. Je crois qu'il est très content de venir. Brooks va pouvoir nous rejoindre. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir, ça fait félicitations. Plaisir de merci voir. Les gars. Félicitations, merci félicitations. Beaucoup. Incroyable, incroyable wow. Finale. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé, mon gars? Je pense que je vais pas vivre longtemps. Parce que vraiment, c'est un jeu de malade. C'est un jeu de malade, malade. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était exceptionnel. Les joueurs, vraiment, ils ont vraiment réussi à bien jouer. On a tout fait en sorte pour qu'ils se sentent dans les meilleures dispositions, qu'ils sont dans la meilleure forme possible. Ça a porté ses fruits, je suis trop heureux. Tu les as croisés, j'imagine, avant la finale? Ouais, je les ai croisés. Comment tu les sentais? J'ai eu un peu du mal, je les ai sentis vraiment détendus. Moi, je suis venu un peu ici en mode coach performance. Donc, je faisais en sorte qu'ils soient bien pour rentrer dans leur game. On avait un peu de mal à rentrer dans le game sur les régionales, etc. Là, on a mis un peu des petites routines en place pour qu'ils puissent rentrer dans leur game dans un très très bon état, c'est-à-dire bien éveillé, bien leur sens bien éveillé, bien concentré, etc. Je dirais que j'ai beaucoup très bien leur concentration, leurs réflexes, etc. Ça a bien marché, ils ont bien aimé ce que je leur ai apporté. Et franchement, avec le sax, on a fait ça avec le sax et Mout, on a vraiment fait ça bien. Et bien sûr, notre pôle performance qui nous ont aidé énormément avant le début de l'événement, à mettre ça en place, c'était exceptionnel. Donc un gros big shout-out à eux, alors pour notre performance, vraiment, qui ont fait un très très gros boulot. Ouais. Et vraiment à Sax et Mout qui ont été exceptionnels également. Tu m'as l'air épuisé. Ouais. Je suis exténué. Pourtant, j'ai pas joué, mais je transpire comme un malade. C'est trop drôle. Les émotions. C'est deux games qui perdent d'affilée. Comment tu te sens à la fin? tu crois? Tu dis c'est la fin? C'est quoi ton état de stress? Je suis un rookie en termes de Rocket League, tu vois, je débute, donc il y a plein de phases de jeu que je ne comprends pas trop. Du coup, je suis dans la tribune avec Mout, genre vraiment mon alerte, c'est Mout. Je lui parle, on est bien là, non. Il me dit, ah là c'est la merde, il n'y a plus de boost. Et moi je regarde jamais, là, j'ai 14 de boost, je suis tout en mode, tranquille, chill. Il me dit, non, on n'est pas chill, ça va être chaud. Là. Après, il me rassure toujours, il me dit toujours, en fait, il me rassure pas, il me dit juste, il est juste franc quoi. Ouais. Là il me dit, ah là on perd un peu en énergie, on n'est pas bien, etc. Donc vraiment il est là, il m'apporte un peu cette assurance parce que sinon je pense que je serais déjà mort. Mais ouais, il connaît bien son jeu.
Et le 3-2, quand ils ont come back, je m'attendais vraiment à un time-out. Après, j'ai vu qu'à la fin, quand on a pris 4-0, à la fin, on commençait vraiment à bien jouer, à retrouver un peu les solutions. Donc, j'ai compris un peu la décision du Sax de ne pas stopper cette dynamique et de continuer. Mais c'était vraiment... ça fait peur. C'était risqué. C'est bon dit, c'est bon dit. Ils sortent de 4-0, les mecs, tu vois. Et donc, ils ont quand même le momentum encore, même si nous, on l'a aussi. Là, c'est un peu une guerre d'ego, tu vois. C'est un peu une guerre d'ego de savoir qui va marquer. Mais ouais, Sax, il a pris une énorme décision parce que... Je découvre Rocket League, comme j'ai dit, et j'ai l'impression que le timeout il est impactant de malade. Ouais. Genre vraiment, ça, je crois que j'ai jamais vu un jeu où ça vraiment brise la dynamique aussi fatalement. Quoi. Ça a marché pour toutes les équipes. Le momentum dans Rocket League, c'est tellement important que si tu peux le briser, si tu as un outil pour le briser, c'est beaucoup trop efficace. Heureusement qu'il y en a qu'un. Oui, clairement. Parce qu'au début, tu sais, pour les régionaux online, mais un, c'est peu. Mais en fait, il est stratégique de malade. Oui. T'en mets un, tu peux prendre trois maps derrière. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'a fait G2 d'ailleurs, je ne sais pas combien de fois. C'est quoi ce jeu? Ouais. Et l'année dernière d'ailleurs, Eversax avait cette réputation de prendre un timeout et à chaque fois derrière, Carmine Corp, quand il jouait pour eux, gagnait au moins une manche. Donc, c'était vraiment l'une de ces manières de faire. On l'a un petit peu moins vu d'ailleurs pendant ce major, mais bon, visiblement, ça permet quand même de ramener des trophées derrière. On va bien. On va garder ça. En tout cas, vous avez un jeu de fou. Vous avez vraiment un jeu de fou. On est heureux. On est très heureux. Vous vous ennuyez jamais. Hein. Non, c'est cool. Tous les matchs. Vous pouvez pas vous ennuyer, c'est exceptionnel. On se régale et avec des joueurs comme ça, c'est un plaisir. Premier major du coup sur Rocket League, premier titre pour Gentlemates. C'est votre jeu. On pouvait pas rentrer de la meilleure des manières. Hein. On a commencé sur les deux jeux, pareil, on a tout gagné. Là, du coup, on réitère sur Rocket League. Je disais aux gens, mettez du respect sur nous. Parce qu'au final, ça veut peut-être dire qu'on bosse bien, tu vois, en interne. On a encore, je l'aurais dit, je le répète encore aux gens, on a encore une jeune structure. Les joueurs ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions. On leur offre pas forcément le meilleur confort, on essaie de donner au maximum. Hein. Mais bien sûr, on vient d'arriver, donc notre GH a à mettre un peu de temps à venir. On a des locaux qui sont débloqués là récemment. Mais du coup, on est en train de tout déménager. Donc les joueurs, ils sont pas dans les meilleures conditions. Les gens, ça, ne peuvent pas le savoir. C'est pour ça que je leur dis, les gars, laissez-nous le temps de nous structurer. Et malgré ça, ils arrivent quand même à nous proposer des performances vraiment à haut niveau, et que peu importe les jeux finalement. On arrive à le faire sur tous les jeux, et alors qu'ils ont pas, ils sont pas, on n'est pas à 100% de nos capacités. Ça, on le sait, on n'est pas non plus 20 000 chez Gentlemates. Comme j'ai dit, on vient de commencer, on est tout petit, malgré que voilà, dans la structure, il y a des grands noms comme Squeezie, comme Gotha. Comme Brooks, dis-le, allez, comme Brooks, un frérot, il faut y aller. On parle de l'e-sport là, ça non, va parce aussi. Que je vois les gens qui fabulent un peu sur des noms en disant que oui, on est le nouveau Qatar, etc. S'ils étaient dedans, s'ils savaient, c'est pas le Qatar, ne vous inquiétez pas. C'est pas le Qatar, et nous même on se bat un peu contre toute cette money qui est énormément dépensée. Moi je suis le premier à être pas pour, tu vois, pour avoir un truc bien stable, pour que toutes les structures puissent suivre l'économie de l'e-sport et pas faire en sorte que d'autres structures ferment, parce que ça va être trop dur dessus pour avoir des excellents joueurs. Donc nous on se bat aussi pour ça. Donc, évidemment, quand les gens ils entendent Squeezie, Gotaga, ils sont en mode ouais, c'est la richesse absolue. Non, et les gars, Gotaga et Squeezie ont aussi des employés à payer. Donc non, on n'est pas là. L'argent, il est dépensé genre pour les annonces, quand tu prends des belles voitures bien, pour voilà, pouvoir ça. Faire tes annonces. On aime bien avoir une belle image, etc. Tout simplement parce qu'on respecte l'e-sport, on veut que l'e-sport ça attire beaucoup de public, donc on essaie de mettre un maximum dans l'image, parce que c'est ce qui va attirer les gens premièrement, et puis même on veut ramener des nouvelles personnes dans l'e-sport. On a la capacité avec Squeezie qui est numéro 1 à YouTube, donc il a énormément de monde à nous ramener. C'est bon pour tout le monde, c'est ce que les gens peut-être ont du mal à comprendre, c'est que si on ramène beaucoup de gens, les gens vont pas forcément venir et s'attacher à Gentlemates. Ça se trouve, ils vont se plus reconnaître dans des structures comme Solary, dans des structures comme Carmine. Mais le but, c'est juste de ramener un maximum de monde et que tout le monde soit content au final. D'ailleurs, Squeezie, puisque tu as cité son nom, qu'on remercie parce qu'il a fait un petit shout-out à Rocket Baguette pendant son stream. Il disait qu'il regardait et que... Il a offert des subs. Ponce a offert les subs. Non, plus, il a offert des subs. D'accord, mais Squeezie, what the fuck. D'accord, pourquoi pas. Donc merci beaucoup pour la force, ça fait toujours plaisir évidemment. Nous, on se la donne à mort pour pouvoir rediffuser, donner les clés de compréhension en français pour Rocket League. Donc avoir du soutien comme ça, ça fait méga plaisir. Merci beaucoup, Squeezie. Moi, et Gotaga aussi. Ouais, globalement, on est très gâtés par votre structure. Il y a beaucoup de hosts, il y a beaucoup de retours. Vraiment. Vous êtes là, vous venez en interview, vous êtes bon toujours boulot, sympa. Donc merci effectivement d'être là. Très très bon boulot. Vraiment, je suis très fier d'avoir des
un stream français, et même des streams français, parce que si je parle des autres collègues OTP, etc., on est vraiment bien lotis en termes de casteurs. Ouais. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, vraiment énormément. Bon, dernière question, c'est quoi le programme du coup ce soir maintenant avec les joueurs? Ils sont tout jeunes, moi je suis vieux, moi je suis rincé, donc moi mon programme ça va être simple, hein. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais chill un petit peu et je vais dormir pour apprendre mon avion demain. Le week-end il a été vraiment chargé en émotions, physiquement aussi, je vais peut-être faire une petite séance de sport quand même pour me détendre un petit peu. Et ouais, moi ça va être plus posé. Eux là pour l'instant ils ont enfin un quartier libre, parce que évidemment tout le week-end j'ai pas attention à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils buvaient. Il y a eu quelques petits écarts de peut-être une canette de coca qui est passée par là, mais pas plus. Et là ils vont pouvoir se faire plaisir un petit peu, boire un peu du coca, manger un burger, et on verra, on se remettra au travail plus tard, parce que j'ai hâte de travailler sur nos lacunes. Moi j'ai vraiment besoin de... J'aime bien, on a gagné, je suis très heureux, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas se reposer sur ses lauriers. Moi je veux qu'on bosse sur pas mal de lacunes que j'ai pu voir avec le Sax, etc. On a les capacités de les combler, donc vraiment j'ai hâte de repartir au boulot avec ces petits cracks, et vraiment de peaufiner notre jeu, et vraiment d'être le plus complet et le plus régulier possible. Ouais, mais de toute manière, hein, vu l'adversité qu'il y a en Europe et même dans le monde, il va falloir. Merci beaucoup. Merci. Avec beaucoup grand plaisir, les gars. D'avoir été là. Je laisse, j'imagine, beaucoup, les gars. Finish, Goyan, je ne sais qui, reprendre la parole. Mais voilà, c'était Brox qui est venu nous faire un coucou, répondre à nos questions. C'est super cool, encore une fois. Merci encore une fois. Cette petite cravate, elle me plaît. Quoi ? Cette petite cravate, elle me plaît. Je le dis, ma petite cravate Gentlemates, elle me fait plaisir. Merci pour le soutien. Effectivement, les Gentlemates qui nous régalent déjà en termes de niveau de jeu, en termes de... D'accessibilité, de sympathie, de retour, parce qu'ils sont pas obligés et ils le font quand même. Donc ouais, c'est incroyable en réalité d'avoir d'aussi gros influenceurs, de gens qui ramènent autant de communautés et qui soient aussi passionnés, aussi gentils et aussi simples dans l'e-sport. C'est vraiment un plaisir. On m'a envoyé un message super sympa de Squeezie et de Gotaga sur leur stream. Merci infiniment. Ouais. Un message. J'ai pas vu. On a dû voir le même, justement. Squeezie a envoyé des subs aussi sur notre chaîne. Ouais. Merci les Gentlemates, encore une fois. Bienvenue sur Rocket League. Voilà. L'accueil est plutôt sympathique. On a fini de débriefer, les gars, le match. On en a déjà pas mal parlé. Alors vas-y, il est temps de conclure. Econ vient, bien évidemment. Razor. Même Ben, comme je sens que je vais sortir du cadre. voilà, on va dézoomer. Très bien vu, Ben qui dézoome. Ah, les quel les boss. Deux admins, Piwarl et Taluan, nos deux admins RLCS, admin Urban Series. On va pas s'éterniser, ça a été un très très long week-end. On espère que vous avez pris énormément de plaisir à nous suivre. Un grand merci à toutes les personnes qui sont là au cast. On avait Ima, Life is Cool, Bashi, Fifi, Razor, Econ qui était avec nous au desk. Évidemment, le magnifique Ben. Ben, are you on the shot? Il est là? Yes, il est là, Ben. Notre réalisateur qui nous vient tout droit de Londres. Merci à toi. Unji qui nous prend en photo. Merci infiniment. Tu me l'enverras. Ça me fera mon super tweet de fin, s'il te plaît. Merci à Limbo qui est venu pour prendre de superbes images que vous découvrirez dans notre After Movie sur notre chaîne YouTube, que je vous invite à suivre. Hein. Par ailleurs, on est sur tous les réseaux sociaux. On s'appelle Rocket Baguette sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur TikTok. N'hésitez pas à aller consulter tous nos contenus. Sur Insta. À participer à nos tournois également. Si vous êtes toujours dans le chat Twitch, point d'exclamation RR ou point d'exclamation TGF. Merci à ceux qui nous ont regardés sur Ovio. Et merci à l'équipe Rocket Baguette qui était à la maison et qui a travaillé dur, notamment les équipes de 18IC, tous les community managers, pour poster plein de contenus. 18IC, tu as absolument géré. Je te dis, les admins sont en train de mourir. Il va falloir... ils sont en flexion, oui, là. Oui, ils ont... Arrêtez de flex de la sorte. Mettez-vous bien. Je disais... En plus, il est trop grand, j'étais Taluan. En train d'enchaîner. Ça allait être une outro super courte. Franchement, j'étais super bien. Tu m'insulteras ma mère après, il n'y a pas de problème. Non, je ne veux pas faire ça. Oui, l'équipe 18IC et ses équipes, arrête de me gronder, 18IC, s'il te plaît. Il reste toujours des places pour le Major de Londres. Mais merci à Esperanza, Freeze, Choco Neko, Victor, et je crois que c'est tout. Sparta pour les assets avec Kaizen, avec Raphaël. Merci infiniment pour votre travail. L'équipe de modération,
absolument incroyable. Merci pour tout. Spline qui met, en plus de mettre les VOD sur YouTube, qui fait beaucoup de choses sur la stratégie de Rocket Baguette. Merci à toi, Spline, le cofondateur de Rocket Baguette. Et à Diane. Mes côtés. Diane qui nous a rejoint. Merci au marketing. Vas-y, vite fait. Diane, je t'aime. Merci de porter mon enfant qui arrive en septembre. Je vais devenir papa. Voilà, j'ai... Oh là 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 là. Comme ça, elle peut partager sur les réseaux sociaux. Et enfin, Palacium, effectivement, pour avoir, avec beaucoup de réactivité, créé de nouveaux assets, tout ça, tout ça. Et enfin, merci à vous, à tous ceux qui ont sub, tous ceux qui nous regardent sur n'importe quelle plateforme que ce soit. C'est grâce à vous que Rocket Baguette a pu être ici, en direct de Copenhague, sur les scènes RLCS, pour vous faire vivre les plus grands moments de l'e-sport Rocket League. Qui ne s'arrête pas, les RLCS, ça reprend dans 3-4 semaines. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce week-end. Passez une excellente fin de dimanche, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour plus d'e-sport Rocket League. Bye bye.